Voilà, j'aimerais donner encore quelques propriétés de l'intégrale avant de faire des intégrations par substitution et l'intégration par partie. Ces propriétés, je les énonce sous la forme d'un théorème. Qui va regrouper donc ici plusieurs choses. Alors la première, c'est donc on va supposer que f est continue, donc intégrable. Donc premièrement, disons f une fonction continue. Les hypothèses ici sont importantes. La continuité est importante, on le verra un peu plus tard. Donc tout élément, donc j'ai une fonction continue et je prends un élément, disons C, appartenant à AB. Et on fait l'hypothèse suivante. Et supposons que la fonction soit positive. Donc c'est-à-dire f de x est plus grand ou égal à 0 pour tout x dans l'intervalle. Alors, eh bien, on peut dire la chose suivante. Donc, l'intégrale de A à C, la fonction f de x dx, est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B, f de x dx, et ces deux nombres sont supérieurs à 0. C'est important ici de noter la condition f de x supérieur ou égal à 0, sinon ça ne marche évidemment pas. Et donc, ceci permet de donner une estimation par exemple de l'intégrale si on veut si on sait intégrer peut-être l'intégrale de f entre a et c, eh bien on saura que l'intégrale entre a et b est supérieure à ce nombre-là. Et deuxième point, toujours dans le point 1, nous avons aussi la chose suivante, et donc l'intégrale de a à b f de x dx est nulle si et seulement si la fonction est nulle sur tout l'intervalle pour tout x appartenant à B. Et donc ici, c'est important de noter l'hypothèse, encore une fois, f de x positive. Si f de x est négative, on peut avoir une intégrale nulle sans que la fonction soit nulle. Puis, deuxième propriété importante, donc toujours pour des fonctions continues, donc maintenant c'est f et g sont continues. Et si on peut, donc c'est un corollaire du point 1, hein, mais si on peut, tel que, donc avec la propriété suivante, tel que, par exemple, f de x est toujours inférieur ou égal à g de x pour tout x appartenant à l'intervalle, eh bien alors on peut affirmer que l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de sur les mêmes bornes de la fonction g. Et ceci est encore une fois très pratique si on veut estimer une fonction qu'on ne sait pas intégrer, f, disons, on peut la majorer par g, peut-être une fonction que l'on connaît, et cela nous donne une estimation de l'intégrale. Puis, troisième point, alors l'intégrale est une fonction linéaire, c'est-à-dire si f et g, disons, sont des fonctions de AB vers R et qu'elles sont les deux intégrables sur l'intervalle en question, bien sûr. Et si j'ai deux nombres alpha et bêta appartenant à R, alors alpha f plus bêta g est aussi intégrable. Et non seulement elle est intégrable, mais on peut calculer son intégrale facilement, c'est-à-dire qu'on a la formule que l'on s'attend. Donc l'intégrale de cette fonction-là est alpha fois l'intégrale de f plus bêta fois l'intégrale de g. C'est-à-dire la fonction, enfin, on peut le dire comme ça. Cette opération-là est une fonction linéaire.
Sur quel espace? En fait, sur l'espace des fonctions intégrables. On peut considérer l'ensemble de toutes les fonctions intégrables sur AB et par le point 3, alpha f plus bêta g est intégrable, donc c'est un sous-espace vectoriel et l'application d'intégrer est une opération linéaire, ce qui est bien sûr très pratique. Je vais donner un exemple. Exemple de ces opérations, d'illustration, à quoi ça, par exemple, point 2, utilité de 2. On peut, disons, estimer, par exemple, une intégrale entre 1 et 2, supposons. J'aimerais faire ce calcul de x puissance 2 moins cos x dx. Alors ça, c'est une fonction difficile à trouver une intégrale, une primitive en tout cas. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est observer que cosinus x est toujours entre moins 1 et 1. Et donc la fonction 2 moins cos x est entre 2 moins 1, donc 1, et 2 moins moins 1. Donc ici, je vais l'écrire de cette sorte. Donc elle est comprise entre 3, effacer ça, elle est entre 3 si je remplace par 1 et 1. Donc je vois, j'ai un encadrement du coup de la fonction 2 moins cos x entre 1 et 3, et par conséquent, est-ce que x est positif ici? J'ai x est inférieur à x puissance 2 moins cos x qui lui-même est inférieur à x puissance 3. Donc on peut dire que l'intégrale qui m'intéresse entre 1 et 2. Alors ici j'ai des fonctions qui sont toutes positives sur le domaine en question, hein, puisque x et x cube sont ici positives. Donc je peux tout à fait et bien encadrer cette intégrale comme ceci. Et puis je reconnais ici des intégrales simples à calculer. Donc je peux dire c'est x carré sur 2 et évaluer entre 1 et 2. Ça c'est l'intégrale qui m'intéresse. Et pour terminer, ici, j'ai x 4 sur 4 évalué entre 1 et 2. Donc mon intégrale, ici, elle est, donc j'ai 2 puissance 4, 16 sur 4, moins 1 quart. Et de l'autre côté, j'ai 4 demi moins 1 demi. Donc j'ai 3 demi. Et de l'autre côté, je dis 4 moins 1 quart. Donc on peut dire 16 15 quarts, par exemple. Voilà donc une illustration de ce résultat. Et on verra donc demain en classe d'autres exemples des techniques avancées pour intégrer des fonctions plus complexes.